Bonjour les amis, c'est Sora, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je suis avec du monde, vous l'avez vu, je suis avec Enti. Salut, comment ça va? Je suis avec Stefano. Coucou. Et je suis avec Miss. Bonjour. Ça va, tranquille. On vient de tourner, aujourd'hui on a fait une grosse journée de tournage. D'ailleurs je le place directement, mais n'hésitez pas en description, il y a une vidéo sur chacune de leurs chaînes. Du coup n'hésitez pas à aller voir ça. Aujourd'hui on fait un truc, on fait une espèce de petit challenge. Ça s'appelle qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Je vais vous expliquer un petit peu, je vais galérer à expliquer le concept, mais je vais essayer de faire de mon mieux. En gros ici vous le voyez, on a des boîtes, ok. Jusqu'à là c'est cohérent. T'as remarqué comme il accélère quand il parle quand il est en tournage? Il est pas du tout comme ça dans la vraie vie, hein. C'est faux mec. Si tu parles pas aussi vite. Mec. Ici il y a des boîtes, ok. Il y a 5 fois qui viennent de la brillage dorée. Est-ce qu'on les remercie quand même pour avoir sponsorisé cette vidéo? Ce n'est pas un placement de produit, je vous promets, mais juste, j'ai galéré, il me fallait des boîtes, j'ai galéré toutes les boulangeries, c'est les seuls qui ont accepté. Un gros bisou à brioche dorée, je suis payé 8000 euros pour chaque boîte. Chaque boîte, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, brioche dorée, du coup, c'est faux. Il y a du coup un gage à chaque fois dans une de ces boîtes, ok. Donc on va forcément avoir des gages. Bah forcément y avoir des gages, vous n'avez pas le choix. On va y avoir deux équipes de deux, ça va être à la tour, on fera les équipes juste après. En gros, chaque tour on va s'articuler comme ça, on va se poser des questions. Si on a bon, on pioche pas de boîte, si on a faux, on pioche une boîte et on fait le gage. À savoir qu'il y a une des boîtes piégées qui peut se retourner sur l'équipe de okay. J'ai rien compris, mais on suit. Écoute, on va faire un tour. C'est assez compliqué, on va faire un tour. Ça va être super simple, ça va être super facile. Déjà, on va commencer par un truc. On va commencer par les équipes. Bien sûr. Après, ça va être sympa. On va tirer les rois, c'est ça? On va tirer rien du tout. La roue magique. La fameuse roue magique. Par contre, pourquoi il y a 6 personnes? Alors, attends, Hugo. Il y a un Hugo dedans. Attends, mec, il faut que je recommence. Hugo, tu peux sortir du canapé. Allez, viens. Bon, hop, première équipe, ça va commencer par. Le suspense arrive. Nous on voit pas, on veut le suspense. Ça commence par. Ok, Enti. Bon, je suis trop content d'être avec moi. Avec qui vas-tu être? Tu peux d'ailleurs. Direct. Non, moi je veux savoir qui est contre moi. Là je veux. Ok, d'accord. Ok, très bien. Deuxième. Mec, vous balancez le suspense, pas de problème. Ce sera Siphon. Équipe Siphon contre équipe Enti. Très bien. Ok. Maintenant je veux savoir qui est avec moi. La personne qui sera avec Enti, ça va être Miss. Et du coup, je serai avec toi. J'étais sûr que je serai avec toi, gros. Alors là, il y a un joli plan. Non! Qu'est-ce qu'il a cassé? J'ai rien cassé! T'as cassé l'iPhone 10. Mais non, tu l'as. Non, je rigole. J'ai eu un peu peur. Bon, Miss, on est ensemble. Oui. Je suis avec le créateur du jeu. Yes. Ouais, vas-y, c'est quoi? Allez, un cri de guerre. C'est notre cri de guerre. Bah, c'est notre cri de guerre. Notre cri de guerre, c'est. Poil aux dents! C'est bref, on va se poser des questions geek, ok, ça va être sur n'importe quoi. Ça peut être sur Rick et Morty, j'avais vu Rick et Morty. Ah, donc il y a moyen d'éviter les gages. Bien sûr. Ça peut être sur n'importe quoi. Moi j'avais pas compris, moi je pensais que j'ai une boîte. Mais justement, il y a moyen d'éviter les gages. Du coup, on balance l'intro, c'est parti. Balance une question. Quel est le prénom du chef Tyrol? Galen. Allez ou Saul? Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi les choix? Alors il y avait Tom, Galen ou Saul. Saul. C'est Galen. Voilà. On a perdu. T'es au courant qu'on arrivera à répondre à aucune question? Ouais, en fait. Mais non, mais c'est bon. Vrai, t'as une chance sur 3 à chaque fois. Faut bien penser à dire dans quelle série c'est. Je l'ai dit après. Du coup, on a perdu la question. NC et Miz vont choisir une de nos boîtes. À savoir qu'il y a une des boîtes qui est marquée au dos d'un rond. S'ils piochent cette boîte là, le gage se retourne contre eux. Ok. Lequel de nos deux fait le gage? C'est les deux. D'accord. J'ai essayé de m'en sortir. Quelque chose, toi. Moi j'aime bien celle-là. Ah, va falloir choisir. Mais allez, je vais te suivre sur celle-là. Si c'est le rond, c'est pas le rond. Alors, du coup, il faut l'ouvrir. Mais j'ai trop peur, les gars. Lui, il connaît, les gars. Tu veux l'ouvrir ou pas? Qu'est-ce que c'est? Vas-y, où? Oh, mec, c'est les pires. C'est les bonbons piment. Je découvre qu'il y a des trucs à manger. Je ne savais pas qu'il y a des trucs à manger. C'est génial. Je vais les chercher. On a bien fait de ne pas encore manger. C'est cool. Est-ce que t'as du lait? J'ai du lait au cas où. C'est obscur. Ah, mais c'est. Mais mec, c'est les. Mais je connais. Ah non, je connais pas. Ça pue, les gars. Ça pue la mort, mec. Non, franchement, ça pue la mort. J'ai de lait pour monsieur. Je suis pas contre un petit verre de lait, merci. Ah, tu sais, c'est comme un pansement, faut y aller. Oh mec, il a pas le temps. Non mais mec. Et du coup, c'est. Pourquoi j'ai un goût de banane tagada? Ça a piqué, t'inquiète pas. Vous êtes censé vous étouffer en fait, genre, pas juste arriver un peu. Ah, ça arrive. Non. Allez, on passe à la deuxième question. Je me suis dit que ça allait piquer, putain, c'est nul. Ouais, posez ça à votre tour, ok, ça à votre tour. Je veux bien faire poser les questions. Fais attention, faut bien que tu la poses vite, hein, y'a que 10 secondes pour la poser les questions. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Quel est le nom du premier homme qui éduqua Fitz dans l'Assassin Royal? Et c'est quoi les propositions? Ah oui, bah Olinka, Duncan Idaho ou Burridge. Mec, je sais, c'est Burridge. Mais comment? Je sais pas. Mec, tu connais l'Assassin Royal? Et eh bah écoute, bah tiens, vous êtes prêts? Vas-y. De quel film est tirée cette réplique culte? S'il peut saigner, on peut le tuer. Predator, The Things ou Alien? Mec, j'ai vu aucun. Alien. Aucun Alien. Ouais, Alien. J'aurais dit Predator, vas-y, Alien. C'est Predator. C'est Predator, bravo! Allez, hop. Écoute, mais
il a dit Predator. Ouais, il a dit Predator. Il me semble que c'est dans le Predator où ils vont dans un dans une espèce de non, dans une espèce de pyramide et tout. Prometheus, un truc comme ça. C'est cool. Parce que j'ai pas vu. Non, Prometheus c'est Alien. OK, et ben écoutez. Il ressort un film Predator d'ailleurs. C'est bon les gars, je peux vous chronique cinéma. Il sort en novembre. OK, on lance la chronique cinéma, c'est parti. Allez, choisis une boîte. Ouais, c'est celle-là. Regardez. C'est encore pour nous. Y'a quoi? Bah vas-y Mais non. Quoi? Pince à épiler. Non. Pardon? Ça veut dire qu'on va leur vous épiler. Alors calme-toi déjà. Ça l'a fait kiffer. Ça l'a fait trop kiffer. Voilà, vous épiler quoi. Tu peux... Ah ici? Ouais, tu te fais plaisir. Ah trop cool. T'as une pince à épiler? J'ai une pince à épiler. Les gars, je l'ai acheté exactement pour l'occasion. Putain, elle est classe en plus. C'est un petit... Mais oui, y'a un petit truc. Je vais la garder. Mais faites-vous plaisir les gars. Mais elle est géniale. Je vais la garder. On va quand même montrer la magnifique pince à épiler. Mais non, mais c'est trop simple. Non, mais lui fait pas là. Sur le bras, c'est trop simple. Sur le sourcil. Il sur la moustache, mec, c'est horrible. Mais la moustache, ça va être moche. Non, mais si on t'en enlève plein. Ah, mais tu m'en enlèves plein, tu m'en enlèves combien? Un ou deux? Pas 24. Bon, alors, vous choisissez l'endroit du corps. Là, c'est sensible. Là. Ouais, là, c'est sensible. Ok, vas-y. Ça va faire mal. Ok, vas-y, commence. Ok, t'en enlèves pas des masses, non plus. Il aime se faire du mal, c'est pas possible. Non. Voilà. Sérieux? J'en ai pris un. Mec, aussi fort. Ok, est-ce qu'on le met dans un petit plastique et on le fait gagner sur Twitter? Alors, si jamais pour participer, mettez un pouce bleu, commentez, je veux le poil de Siphano. Elle enlève le bulbe. Commentez, je veux le bulbe de Siphano. Mec, il va vraiment récupérer son sachet en plus. T'as vraiment des petits sachets comme ça? Je suis pas sûr qu'on le verra. Y'a un poil quoi. Attends, il manque ça? Non, on l'a fait non? Non. Mais si on l'a fait. Elle a dit tout à l'heure alors. Ah, ok, vas-y. Il fait lui bien mal hein parce que. Oh, ça va. À quel moment tes gages sont. Mais mec, mais normalement ça fait mal de se faire épiler non? Dans la logique des gens, on est d'accord que ça fait mal non? Je sais pas, une pince à épiler avec une bande de cire ça aurait fait mal. Donc là on peut les cloner maintenant. Mais si tu veux, je t'en enlève plus de poils. Miss, tu voudrais pas faire la sceptique? Je sens qu'elle dit ça. Nouveau concept, tu ramènes des guests sur ta chaîne. Le concept, tu les épiles. Tendance directe. Je suis vraiment déçu. Tu pensais que ça allait faire mal? Mais moi aussi, un peu en fait. Au final, c'est drôle. J'ai de la bande d'épilation si tu veux. T'en as? Non, mais ça va. Enfin. Ok, bon, on va continuer du coup avec votre question à vous. Parce qu'au final, on vous enlève aucune boîte. Ouais. Ok, vous êtes prêts? Oui, vas-y. Superman, à travers quelle matière Superman ne voit-il pas? L'or, le plomb ou l'adamantium? Non mais mec, il voit pas à travers le plomb. Ok, bah je te fais confiance, c'est le plomb. Et c'est le plomb. Et c'est le plomb. Allez, j'adore ce jeu, vraiment. Celui-là est drôle, quoi. Waouh. Attention, question suivante. Quelle est l'identité civile d'Apollo dans Battlestar Galactica? Mec, Carl C. Agaton, William Adama ou Lee Adama? William. Non mec, attends. Non mec, je te promets, c'est Lee Adama. Ok, c'est Lee Adama. Lee Adama? C'est Lee Adama. Oh allez mon gars, qu'est-ce qui se passe? Je suis déçu, j'ai pas les gages. Je sais pas, moi j'en étais sûr, j'ai eu doute et déçu parce que t'as pas les gages. Alors, vous êtes prêts? Attention, let's go. Qui a écrit Ubik? Alors, Isaac Asimov, Philippe K. Dick, William Gibson. C'est allez, Philippe K. Dick. Mais quoi? Mais c'est incroyable! Mais comment? Mais t'as vu Ubik? J'adore Ubik, c'est mon film préféré. Mais mec! Ok, bah écoute, let's go. A développé Star Wars Knights of the Old Republic. Oh, c'est quoi ça? Quantic Dreams, BioWare ou LucasArts? Oh putain, c'est BioWare ou LucasArts? Quantic Dreams, ce qu'on fait. Moi j'irais. Je sais pas, LucasArts existe. Ah, LucasArts. Moi je dis LucasArts aussi. Eh ben non! C'est BioWare! Mais merde, mais tout c'est BioWare! Mais à quel moment on a ta chance dans ce jeu? Mais BioWare, d'où vous faites ça? BioWare, je vous aime, mais pourquoi vous avez fait ça? Allez, vas-y, choisissez une boîte qu'on en finisse. Nutella, ça va. Nutella? C'est mignon. C'est quoi? On mange une cuillère de Nutella? Ouais, une cuillère de Nutella. J'ai un gage mignon. Quoi? Dans un gage mignon. J'adore cette vidéo. Du coup, j'ai acheté pour l'occasion un magnifique pot de Nutella. Tu veux une grosse cuillère? Une grosse. Allez, une grosse cuillère. Deux grosses cuillères. Oui. Ouais. Allez, vas-y. Je prends la cuillère grise. Non, mais non, c'est trop chiant. Tu pourras pas rentrer. C'est trop chiant. Est-ce quoi ce qui est dessus? C'est quoi ça? Bon. Mec, il reste des bouts d'oignons. Mais gros, on fait la vaisselle. C'était du pain, qui avait pas mis de pain. C'était pour aller avec le Nutella, un petit peu. Bah oui, un pain Nutella. Non, mais Sif... On fait la moitié du pain, quoi. Faites genre, ah, oh là là, oh c'est dur ce gage. Est-ce que tu sens le piment? Attends, je pense qu'il faut revenir. Ouais, je pense que c'est le piment. En vrai, deuxième gage, t'as senti le goût du Nutella ou pas? Non. Non. C'est vrai que nous aussi on peut tomber sur Nutella en fait et... Mais tu sais que moi ça fait, j'aime pas manger du Nutella à la cuillère. Ah oui, c'est vrai. Allez, c'est bon, on va passer à notre question. Est-ce qu'on continue le sans faute ou pas? Bah écoute, j'aimerais bien, hein, ça serait cool. La prochaine, impossible de réussir. Regardez, gars, nouveau tour, Authority, qui est réellement Jenny Sparks. Miss Marvel est la déesse des villes et l'esprit du 20e siècle capable de manipuler l'électricité. C'est précis, hein. C'est précis. C'était quoi Miss Marvel le premier? Ouais. Et c'est quoi son nom à la meuf? Jenny Sparks. La meuf s'appelle Sparks quand même. Sparks, c'est des trucs d'électricité. Ah, on va dire l'électricité. Mais mec! C'est bon, ça me casse les couilles, c'est bon, j'en ai marre. Mais comment c'est possible? C'est la logique. Ouais, j'ai juste envie de te dire, en fait, il est intelligent. Mais en même temps, on répond au pif, l'autre il fait des.
Sparks, ça fait, ça me rappelle le. Ok, vous êtes prêts? Dragon Ball Z. Comment s'appelle la planète sur laquelle Sangoku affronte Freezer? Namek, Freezer ou Vegeta? Mais Namek! Oui! Allez! Oh, mais Freezer, oui! Mais ça fait plaisir! Mais oui, il est bon! Il est bon! C'est bon, vous avez. Papa! Qu'est-ce qui se passe? Vous faites juste pas le gaz là, mais. Ok, les gars, bon. Question suivante pour NT Miss. Neuromancien. Quelle est la profession de Harry Dorset Case, le héros de Neuromancien? Fixeur, un revendeur d'informations. Netrunner, hacker, solo, un mercenaire. Fixeur, Netrunner ou. Netrunner, fixeur ou hacker. Moi, je pense que Dorset, par rapport à ce que ça veut dire en latin. Dorset, du latin. Comment il s'appelle en vrai? Le mec? Il s'appelle Henri Dorset. C'est un peu prestige, tu vois. Ouais. Netrunner. Les gars, franchement, mais allez au diable, t'as vraiment. Mais d'où Dorset, t'as fait penser à un Netrunner? Y'a quoi la Dorset du latin Dorsetter? Netrunner? Non, c'est juste que fixeur c'était trop simple en fait. Ouais. J'en ai marre de ma vie, elle est nulle. Bon, les gars, question suivante, let's go. Ok, alors, quel est le cri de raillement des Vengeurs dans les Avengers? Vengeurs à l'attaque, feu ou Vengeurs rassemblement? J'ai pas vu Avengers. J'ai vu tous les Avengers, mais j'ai aucun souvenir qu'ils disent Vengeurs en fait... à l'attaque, c'est des Power Rangers, mec. Tu l'as vu en français ou tu l'as vu en VO? En français. Moi j'irai rassemblement. Vengeurs à l'attaque, ça fait vraiment cliché. Ouais, moi j'irai rassemblement. Je dis rassemblement aussi. Vengeurs rassemblement, ouais. C'est ça. C'est ça. Ok. Franchement, ça me fait plaisir. Deux victoires d'affilée, c'est moi. En vrai, attends, parce que recontextualisons quand même. Je tiens juste à dire que oui, on perd tout, mais en fait, on a juste, grâce à ça, bouffé du Nutella, un bonbon plutôt bon, et on s'est fait une petite beauté. Ça va finalement, genre. Écoute, vous savez quoi? Si un jour vous voulez que je refasse une vidéo comme ça en version extrême avec les mêmes personnes, me dites en commentaire, mettez le petit pouce bleu, ça me fait plaisir, on refait. Green Lantern, les gars. À quelle super équipe appartient Green Lantern? Fous ma gueule. La Ligue des Justiciers ou la Justice League? La Ligue des Vengeurs? L'Argus, mes mecs, mais vraiment, c'est Justice League. Je sais pas moi. C'est Justice League. D'accord, très bien. Le karma. Ce jeu n'a aucun sens. Allez, tu vas voir, les pauvres vont remonter. Vous êtes prêts? Vas-y, on est prêts. Superman. Dans quelle ville vit Superman? Oh. Gotham City, Capital City ou Metropolis? Ouais, Metropolis. Metropolis. Ça devient chiant là, non? C'est bien. Question, est-ce que vous êtes prêts? L'épée de vérité, vous connaissez pas. Comment se nomment les gardes du corps de Darkenroll qui peuvent retourner la magie d'un lanceur de sort contre lui-même? Oui, les Morsites, les Zaydai, la garde noire. Alors attends, ouais. Morsites, les Zaydai, la garde noire. C'est bon, mais tu peux relire le. Je vais tellement crier. Comment se nomment les gardes du corps de Darkenroll qui peuvent retourner la magie d'un lanceur de sort contre lui-même? Il s'appelle Darkenroll, donc les gardes noires. C'est les Morsites! Oui! Qu'est-ce qui se passe? Si on pioche la boîte qui se retourne contre nous, j'arrête la vidéo. Moi j'ai dit c'est celle-là. Celle-là. Y'a rien? Des pompes! Vous devez faire 15 pompes chacun, les gars. Ça me fait trop plaisir, les gars. Je vais pas faire de pompes. Mais tu te démerdes. Combien? Et en vrai 15. Tu vois le karma? Bon, ça va, 15. On les fait comme ça. On les fait comme ça, dans ce sens-là. Ok, les gars, je vous laisse vous mettre en position. Attends, j'enlève ma montre parce que ça fait mal sinon. Est-ce que je peux mettre en tenue de sport? Non. Attention, 15 pompes à partir de 3, 2, 1, maintenant. Ah, je sais pas faire. Non, attends, tu m'en fais 5, allez, fais. C'est quoi ces pompes là? Et 15. Ok, faisons-moi une vraie. Tu remontes. C'est quand même cette image, elle est incroyable. Comment s'appelle la boîte de nuit où se réunissent Buffy et sa bande? Le Central Perk, le Titi Twister ou le Bronze? C'est le dernier. Le Central Perk c'est Franz, donc le dernier. Le Bronze. Ok, le mec, Titi Twister, ça fait années 90. Alors, Harry Potter, comment se nomme la banque des sorciers? Gringotts, Maggots, le Galion? Alors, Gringotts. Allez, c'est parti, question suivante. Batman, comment se nomme l'alter ego de Jonathan Crane? L'épouvantail, Scarecrow, Bane ou Ra's al Ghul? C'est Bane. Redis la question. Comment se nomme l'alter ego de Jonathan Crane? Moi franchement je dis Bane. Allez Bane. C'était The Scarecrow, donc l'épouvantail. Alors si, donc là en fait ce qui se passe c'est que soit c'est dans tous les cas ça finit le jeu. C'est ça, ouais. Une est piégée et vous la prenez. Soit on fait un gage, soit on fait un gage. Celui-ci. Ok. Miss, respectez la décision. Je suis. Et si vous êtes prêts. Je fais confiance. Il est pas rouge, Laurent. Il est rouge, j'ai pas dit qu'il était rouge. Il a pas dit. C'est une boîte piégée, il y a le rond, c'est magique. Le gage c'est les tétines. En gros j'ai des tétines de bébé et en fait pendant un tour ils doivent faire le tour avec les tétines dans la bouche. Ah, pendant ton outro, pendant ton outro. Mais du coup vous allez voir pendant. Mais vous avez clairement les gars, je l'ai plus vu. Mais de vrai. J'ai payé ça 6€, ok. Est-ce qu'on peut la garder du coup? Non, tu la gardes pas. Pour la miniature. Je la fais gagner comme les poils. Mais je vais la mettre dans ma bouche, la garde, c'est ma scène. Mais je la fais gagner comme les poils. Je casse. C'est dans ce sens là. Trop beau, mais boulot. C'est dans quel sens? Et du coup, vous vous taisez pour la fin de la vidéo. Non, vous parlez avec. Oh, c'est. Mais c'est génial. C'est la meilleure vidéo de ma chaîne. Quoi. Dépêche-toi quand même. Parce okay, que ça okay. Fait les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Les grands gagnants sont évidemment NT. Bon, ça se voit pas comme ça. Mais c'est quand même NT et Miss qui ont gagné la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Vous connaissez.
connaissez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici et sur la cloche de notification, et évidemment à vous abonner et à regarder les différentes vidéos qui sont sorties de ces trois personnes. Évidemment, et voilà. Surtout n'oubliez pas de liker, surtout si vous connaissez Ubik, c'est très important. Exactement, tous ceux qui connaissent pas Ubik, likez, ça me fait plaisir. Les poils seront à gagner, n'hésitez pas, je participe pour le bulbe de Siphano et Sora. C'est vraiment extrêmement bizarre comme phrase, mec, c'est absolument horrible, ça me dégoûte. Bref, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez. C'était Sora, Antimis et Siphano. Salut. Bye. Right now, by your side.